Bonjour à tous. C'est un grand privilège pour moi de venir chez vous, de vous parler en ce jour. Comme vous voyez notre titre, donc c'est un, un début d'une grande histoire. Je vais dire à quelqu'un que tu es en train d'écrire ton histoire. Nous sommes en France actuellement, dans la région parisienne. Il y a quelques jours, il vient de se passer les Jeux Olympiques. D'abord, il y a eu les Jeux olympiques des gens valides et parmi ces, gens, ces Jeux olympiques qui concernent le monde entier, plus de 52 pays, il y a eu beaucoup qui sont venus, mais il y a eu ceux qui ont réussi, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas réussi à voir. Et mais parmi les ceux qui ont réussi, il y a ceux qu'on appelle... d'autres qui ont eu ce qu'on appelle... Euh, le les, les, les médailles d'or, d'autres de bronze. Il y a d'autres même qui ont été disqualifiés pour telle ou telle ou autre raison. Mais ce qui est bien, c'est qu'après les Jeux olympiques des gens valides, on a eu les Jeux olympiques des gens, dans, comme on dit, handicapés, qui ont un handicap physique. Ce qui est intéressant, je commence pas à vous raconter cette histoire, c'est pour vous dire que des gens sont venus aussi de partout, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont pris du temps durant plusieurs jours, parce que les Jeux olympiques, c'est tous les quatre ans, et se sont entraînés pour venir aux Jeux olympiques. Même les gens qui ont des problèmes de santé, problèmes d'handicap physique, aussi ont eu le privilège de pouvoir participer à ces Jeux. Il y a une histoire qui m'a plu. C'est dans la nage 100 mètres. Vous, vous rendez compte, il y a un jeune homme, donc euh, qui n'est pas très grand, un Brésilien, qui a été champion, qui a eu la médaille d'or. Mais laissez-moi vous dire, le dernier jour de ces championnats, l'équipe de France, écoutez-moi bien, des malvoyants, aveugles, ceux qui ont eu la médaille d'or. Cher ami, comme le titre vient de dire, libère ton potentiel. Être champion, c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose qui vient de jour au lendemain. Être un champion, ça demande d'abord un engagement, accepter de payer le prix. Tu es né pour réaliser des grandes choses. Nous allons voir, comme vous voyez dans notre titre, réalise tes désirs. Tu as des désirs qui ont enfoui en toi, mais tu peux les réaliser. Et le but pour lequel nous allons prendre ces 40 jours, et nous allons jusqu'à la fin de l'année, c'est de te dire que tu as du potentiel, tu as tout ce qu'il faut pour obtenir et atteindre tes objectifs. Et nous allons apprendre pourquoi, comment, et vous accompagner durant c'est ça. Donc, dans ce travail, nous allons faire un travail de coaching, un travail de, un coaching, un coach, et c'est un entraîneur. Mais la personne qui va faire tout le travail, comme je viens de vous parler sur les Jeux olympiques, ces gens ont été encadrés, entraînés, suivis par des coachs, par des entraîneurs, pour qu'eux soient des acteurs. Je voulais te dire que tu es acteur de ta vie. Et c'est le rôle que je vais jouer, que ce soit pour toi, que ce soit pour moi. C'est le coaching pour que tu puisses réaliser tes désirs. Tu peux y arriver. Mais la première des choses pour que tu puisses être capable de réaliser tes désirs, c'est d'avoir, savoir où tu vas. Tu ne vais pas prendre un train pour un avion, tu, tu, tu vas à l'avion, à l'aéroport. La, à On va te poser la question, tu vas où? Et dans la vie, il y a des étapes. Et nous, notre but aujourd'hui, c'est de dire que d'Iran, tous ces temps que nous allons passer avec toi, nous allons avoir des exercices, mais c'est que tu puisses atteindre un objectif, ou plutôt plusieurs objectifs dans ta vie. Je lisais une histoire tout à l'heure des Rockefeller. Vous savez, aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, à son époque, je vous raconterai son histoire encore durant peut-être tous ces temps, et vous, vous montrer comment que... À 52 ans, il a failli mourir. Et il était riche en ce moment-là. Et il ne sait pas, comme par hasard, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait beaucoup d'argent, mais cet argent qui était dans la banque ne lui servait pas à grand-chose en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à investir cet argent, l'argent qu'il avait, il a son comptable, son équipe. Il a combattu un. un à, à investir dans des œuvres de charité. Et pour cela, il a créé la Fondation Rockefeller. Et vous savez ce qui est arrivé? Lui qui était sur le point de mourir, finalement, ça a été transmis. Il a été. Euh, il a été. Euh, donc il est mort finalement à 98 ans après avoir rempli les missions qu'il avait remplies. Aujourd'hui, on voit les banques Rockefeller, on voit on voit les institutions, on voit. Mais c'est aussi des témoignages comme ça que nous aurons à apprendre, à, à entendre, pour savoir que durant ces 40 jours, non pas seulement la prière, mais tu as besoin d'avoir un objectif dans la vie. Tu vas où? Donc, la première séance d'aujourd'hui, le thème, c'est la conscience. J'ai béni le Seigneur parce que nous sommes là, nous allons faire une prière. Mais il y a un, quelque chose de très important que j'ai envie de te dire, la ténacité. Dans ma tête, je n'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est un recommencement, un renouveau. Nous allons prier. Pourquoi nous prions Prier, c'est parler à Dieu. Et qu'est-ce que nous allons dire à Dieu Nous allons dire à Dieu qu'il nous a déjà tout donné. Nous allons nous recommander à Dieu parce que Jésus nous a enseigné que nous puissions prier. Et quand Jésus nous enseigne, il dit enseigne prier, il dit, quand vous priez, dites notre Père. C'est-à-dire que quand on nous dit déjà de prier, il nous dit, il met l'accent sur l'identité. L'identité, notre Père, à qui nous nous adressons, nous avons, nous avons une relation de filiation, un Père. Et Jésus nous a dit que si nous avons la foi, la croyance, nous allons atteindre l'impossible. Tout ça ce sont les ingrédients que je suis en train de dissimuler pour te dire que il n'y a pas de prière sans exaucement. Oui, durant ce temps, nous parlons aussi de la prière. Mais laisse-moi te dire que l'un des grands problèmes c'est beaucoup d'entre nous prient, tout le monde prie. Mais la Bible nous parle aussi des prières efficaces, que les anciens font des prières efficaces. En d'autres termes, je veux que ta prière ait des résultats. Et moi, je crois que la prière que je vais faire en ce moment va avoir un résultat immédiat. Je dis bien un, 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 un résultat immédiat. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu de maintenant. Quelque chose va se passer. Avant de monter sur ce plateau, j'ai donc... Euh, nous avons prié pour une dame qui vient de se faire opérer le genou en enlevé des cartilages. Nous avons prié pour elle. Au nom de Jésus-Christ, tout de suite après la prière, elle a senti un changement. N'est-ce pas te dire que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que quelque chose aussi peut partir, ça arrive, mais ce n'est pas la raison que ça reste. Ça doit partir. Et un changement peut se faire. Et là, c'est la prière qui dit la prière. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te recommandons ces émissions que nous allons faire. Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, comme il est écrit, que celui qui manque la sagesse la demande et lui sera donné. Père, nous te demandons la sagesse, l'intelligence. Aide-nous par la mort et la résurrection de Jésus que nous puissions accomplir notre rôle. Et merci pour tous ceux qui vont nous écouter d'une manière ou d'une autre. Seigneur, par notre prière, par ces émissions, que celui qui n'a plus d'espoir reprenne l'espoir. Père, la raison pour laquelle nous voulons faire ce travail, c'est pour atteindre l'extraordinaire. C'est que chacun d'entre nous qui va écouter atteigne des résultats positifs et qu'il soit capable de réécrire son histoire, c'est-à-dire de faire un témoignage. Je te remercie parce que tu nous as promis. Tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras jamais. Je peux dire ce soir que l'Éternel est mon secours. Je peux dire ce soir que le Saint-Esprit est notre aide. Saint-Esprit, merci parce que tu nous aides. Merci pour toute l'équipe. Merci, tu nous inspires. Et merci pour tous ceux qui vont entendre. Merci, Saint-Esprit. Je crois et je déclare qu'ils seront touchés touchez dans leur esprit et quelque chose se passe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme je venais de dire, le thème aujourd'hui que nous commençons, c'est sur la conscience. C'est quoi la conscience La conscience, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu as une conscience. La conscience, s'il y a la conscience, il y a l'inconscient. L'inconscient, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma. Il n'y réagit pas. Et la conscience, c'est quelqu'un qui est réveillé. Et pour commencer ce, hein, ce travail, je veux que tu sois réveillé, que ta conscience. La conscience te permet de te poser des questions. La question de dire qu'est-ce que je fais, où je suis, est-ce que, qu'est-ce que j'ai. Le pourquoi. Tu dois connaître le pourquoi. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es dans cette situation? Pourquoi tes finances sont dans cette situation? Pourquoi ta santé est dans cette situation? Pourquoi ta famille est dans cette situation? Il faut que tu sois conscient de ce que tu traverses. Laisse-moi te dire que de la même façon les choses sont arrivées, de la même façon elles peuvent partir. Mais il faut que tu sois conscient que tu peux le faire. Et l'ingrédient que tu as besoin c'est la croyance. Voilà pourquoi Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que la croyance est quelque chose que tu peux changer, élever. Parce que il dit, il dit parfois les gens de peu de foi, les gens de grande foi. Elle dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Donc pour réaliser de grandes choses, pour réaliser l'extraordinaire, il y a cet ingrédient que tu as besoin, c'est la foi, la croyance. La croyance, crois d'abord en toi-même. Tu peux le faire. Peu importe tout ce qui est arrivé dans ta vie, maintenant sois conscient qu'avec la croyance, la foi, tu peux traverser. J'ai te dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de te chercher pour t'aider à aller de l'avant. Tu peux le faire. Maintenant, on est être entraîné parce que tu as un potentiel en toi. Le but de ce travail, ou notre, no, notre objectif, c'est d'atteindre nos désirs. Et pour atteindre tes désirs, tu dois savoir où tu vas. Nous aurons à reprendre cela, mais tes désirs, ils doivent être écrits. Écris tes désirs, écris tes, tes objectifs, écris-les sur le papier. Notre but c'est là, c'est réécrire ton histoire, ton histoire. Tu peux le faire, tu peux atteindre des grandes choses. L'ingrédient c'est que tu puisses t'engager. Oh, je voulais te demander aujourd'hui, toi et moi, que nous puissions nous engager à faire l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand on parle de possible, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités. Il y a ce qu'on appelle la loi des hypothèses. Ce qui est impossible hier, aujourd'hui, nous avons des gens qui vont à la Lune. Aujourd'hui, nous avons des gens, par exemple, le nombre de gens, mais peu importe les conditions, qui sont en train, parce qu'ils ont un objectif atteindre l'Angleterre un objectif atteindre l'Italie. Ils ont fabriqué des bateaux ils ont fait toutes sortes de choses. Et ils sont capables d'arriver là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons aller de l'avant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse.